chiffre d'affaires a changé. Tout le monde vient ici, les nationaux comme les étrangers. Le secteur de l'artisanat est très porteur et ça contribue à lutter contre la pauvreté. Et ce sont ces genres d'initiatives que nous souhaitons entre les États. Si cette coopération n'existait pas, il fallait la créer. Nous sommes dans un pays où vous avez des maladies qui créent souvent des anémies. On estime environ la demande autour de 120 poches de sang par jour. C'est très noble de pouvoir contribuer à sauver des vies. Formation, nous sortir, oublier, nous sommes propres. Voilà, nous sommes 65% de la population a moins de 30 ans. Et donc le processus d'incubation permet à ces jeunes de pouvoir, eux, développer une activité personnelle et de pouvoir embaucher d'autres jeunes. Nous, on profite de cette forêt pour se faire soigner par la tradition de la pharmacopée. C'est vraiment un grand étage pour nous. Elle abrite aussi la source d'eau qui alimente la ville de Bobo. Cette source d'eau représente la plus grande réserve d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Le changement est criard. C'était un sol où rien ne pousse. Aujourd'hui, tout commence à prendre. Le travail que j'ai fait là, ça nous conforte. Le fait d'être alphabétisé, ouais, ça a changé, les femmes ont changé. La manière de vivre même, et puis même de mener leur activité, elles sont heureuses. Pour améliorer les performances agricoles, les populations ont besoin d'accéder à du financement. La technologie, en fait, réduit au néant les distances entre les populations et les microfinances en se servant simplement du mobile. Luxembourg nous appuie effectivement par la mise en place de stations satellitaires. Actuellement dans le pays, nous avons 5 stations et à terme, nous devrons installer 65 pylônes. Tous les villages reculés pourront avoir accès à une connectivité. La philosophie fondamentale est celle d'un partenariat. Et il y a un proverbe moré que j'aime beaucoup, c'est qu'il faut tout un village pour monter le toit sur la maison. Aya, aya, kese suguri.